Donc au niveau de la jeune de reprise, vraiment étonné, agréablement surpris. Je m'attendais à ce que les vacances aient fait du bien à toutes les filles. Et qu'en prenant beaucoup de recul, elles reviennent vraiment dans de très bonnes dispositions. Mais j'étais agréablement surpris par la présence, par l'intensité, par l'investissement des filles, par l'ambiance. Et là, j'ai vraiment vu un groupe prêt à bien reprendre, prêt à bien travailler. Donc très bonne impression le premier jour. Et puis ça a découlé derrière. Voilà. Depuis, c'est toujours pareil. Et puis c'est sur une pente ascendante. Voilà, c'est vraiment bien. Voilà, vraiment très satisfait de la première journée. L'investissement de toutes les filles, de ce qu'elles ont donné sur le premier jour. Et puis de la continuité, ce qu'elles peuvent proposer. Donc comment s'est passée ma reprise avec le groupe? Très bien, agréablement surprise de retrouver un préparateur physique qui nous fait travailler soit le cardio, la proprioception et le renforcement musculaire, chose qui m'avait moi beaucoup manqué l'année dernière, de vraiment travailler. Cette année en fait j'ai le physique en fait, on fait travailler le physique que j'attendais d'avoir l'année dernière que je n'avais pas eu en fait. Donc après 3 semaines de prépa, le groupe il est dans une bonne disposition. On arrive sur une période où c'est un peu compliqué physiquement. Ça commence à être chargé au niveau des organismes, mais en termes d'ambiance, d'esprit de cohésion, on est toujours sur la même bonne attitude, donc ça c'est vraiment positif. Que sur la durée ça tienne. Et puis bon, sportivement on est très bien, le groupe est beaucoup plus armé que l'an dernier, les filles sont beaucoup plus fortes. Donc le groupe pour l'instant il est bien. Mais ce qui est surtout positif, c'est que les filles elles sont conscientes que le projet leur appartient, et elles sont conscientes à l'intérieur de ça et de leurs forces et de leurs limites. Donc c'est vraiment ça le plus satisfaisant. À partir du moment où elles sont conscientes du chemin qu'elles s'avouent avant, on est sûr de ne pas se tromper. Hein, on ira là où on ira, on fera le bout de chemin le plus loin possible et on s'arrêtera à nos limites. Mais on ne pourra pas se tromper de route. Donc dans ce sens-là, tant qu'on avance bien, c'est hyper positif. Voilà, on avance petit à petit, sur des séances beaucoup mieux, sur d'autres un petit peu moins. Voilà, forcément, jour le jour, la fatigue faisant, les humeurs et puis le travail proposé changent. Mais on ne fait pas de pas en arrière. Ça, c'est vraiment hyper positif. Voilà, les filles sont conscientes de là où on va. C'est le meilleur moyen pour ne pas se perdre et pas se tromper de chemin. Le match de préparation, dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé plutôt positif. Déjà, d'une part, physiquement, on a tenu pas mal, pas mal la baraque sur certains matchs, comme contre les garçons, où on se sentait vraiment, vraiment bien physiquement, tout le match. Donc, 4 matchs de préparation, déjà, un 5e ce soir derrière nous, mais avec un effectif un peu plus concerné par la DH. Les matchs sont très bien passés. Les filles sont restées toujours fidèles aux principes de jeu. Voilà. Malgré le peu de consignes, parce qu'on a souhaité aussi cette année passer sur une grosse phase d'autonomie. Et on souhaite que maintenant le projet de jeu et le projet de vie leur appartiennent beaucoup plus. Et qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent s'imprégner de tout ça, le digérer et puis retranscrire vraiment ce qu'elles aiment. Donc vraiment satisfait parce qu'elles ont été fidèle à ce qu'on souhaite mettre en place, fidèle au jeu du NSH sur les 4 matchs. Puis dans le rendu, malgré un effectif hyper large utilisé sur les 4 matchs, parce qu'on a souhaité faire participer un groupe assez large, les résultats sont très bons. Et puis la façon de jouer, elle est constante, elle est uniforme, peu importe qui on mettait, qui on s'est sur le terrain, donc ça c'est bien. En termes d'investissement, d'envie et de cohésion, l'équipe elle est très très bien et tout le monde est concerné, un groupe large est concerné. Et après, sportivement, c'est pareil, il y a un groupe large qui est capable de répondre aux consignes et qui est capable de proposer le jeu demandé, donc c'est hyper positif. On a besoin encore de monter en puissance, on sait que cette année, il va falloir qu'on accélère tout le travail sur le secteur offensif et notamment la finition, c'est un petit peu ce qui nous fait défaut. Mais dans l'entrejeu, j'ai plus aucun souci. Voilà, au vu de ce qui se passe sur le mois d'août, là, j'ai vraiment peur de personne. Et je sais qu'on sera capable de poser des problèmes à tout le monde. Après, il y aura forcément des équipes qui seront très bien armées, qui pourront nous mettre à défaut, mais globalement très satisfait et très confiant. Et je pense que les filles elles sont dans les mêmes dispositions, elles sont satisfaites de ces 4 premiers matchs. Puis on aborde la dernière ligne droite samedi avec un tournoi où les filles sont contentes d'elles, contentes de l'équipe. Elles sentent déjà que le travail de l'an dernier paye, puis elles sentent que là ça continue à prendre, que les détails se peaufinent. Donc c'est bien, c'est très très bien. Beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie, c'est encore une fois de bon augure pour la suite. L'effectif de cette saison est, je pense,
a été très très étoffé et a été, on a quelques recrues qui pour ma part sont pas mal, comme Mathilde. Je la trouve, c'est surprenant parce que on a joué contre elle, mais c'est vrai que contre Quimper on ne la voyait pas plus que ça. Et je trouve qu'elle apporte déjà parce qu'elle est gauchère, et les gauchères on n'en a pas beaucoup. Et dans son jeu, techniquement, elle apporte beaucoup. Enfin, elle a une bonne vision du jeu. Après, l'effectif, il y a aussi les jeunes. Une Manon qui progresse de jour en jour. Et qui vraiment... il n'y en a pas beaucoup, je trouve, qu'on a un esprit combatif sur le terrain. Et justement, elle, même si elle est petite, franchement, elle se donne à fond. Après, l'effectif, tous les postes sont doublés et je trouve ça vraiment, vraiment génial parce que l'année dernière, on est beaucoup blessés. Et c'est super important d'avoir un groupe large pour justement pas finir à 13 à la fin de l'année. Et comme j'ai dit, les bonnes surprises, Mathilde, pas mal. Donc vraiment, j'ai trouvé dans le jeu, elle a eu très vite des automatismes avec nous. Et après, Manon, toujours en progression. Et après, Héloïse aussi, qui joue avec moi en 5, qui, on va dire, apporte physiquement quelque chose parce qu'elle a une carrure et c'est ce qui nous manque derrière, quoi. Un petit peu d'aller au charbon. Alors, mes attentes personnelles pour cette année, c'est vraiment de me retrouver physiquement. Et je pense qu'en me retrouvant physiquement, je vais aussi retrouver mes repères que forcément l'année dernière, j'ai eu du mal à trouver ma place sur le terrain parce que je sais que physiquement j'ai vraiment pêché l'année dernière. Je suis quelqu'un qui a eu l'habitude de beaucoup travailler dans mes saisons précédentes, qui a le goût à l'effort, et c'est vrai que l'année dernière c'est un peu pêché dans ce domaine et j'ai perdu un peu de confiance par rapport à ça, qui du coup engendre une confiance aussi en termes de football pur et dur sur le terrain. Et j'attends vraiment de cette année, par le physique, retrouver vraiment mon niveau de jeu et prendre un peu plus de place dans le groupe comme sont les attentes de l'entraîneur. Les attentes par rapport au groupe, c'est de vraiment, comme je le disais, cette ambiance, cette cohésion qu'on a en début de saison, c'est vraiment de la retrouver toute l'année et d'avoir ce mental-là pour aller chercher les points. C'est-à-dire que extra-sportivement, la priorité, elle est de continuer à assainir tout ce qui se passe autour des terrains et tout ce qui se passe dans le paysage sportif des filles, voilà, dans la vie de tous les jours, dans le groupe. Vraiment, avoir un groupe sain, c'est vraiment la priorité. Avoir un groupe très sain qui vit bien, c'est vraiment une des priorités. Après, sportivement, je ne me fixe pas d'objectif comptable, parce que je pense que ça serait un peu trahir les filles. On est très bien et très bien armés, donc moi, je ne leur mets pas de limite. C'est vraiment... Je pense vraiment qu'elles ont les armes pour rivaliser avec tout le monde et poser des problèmes avec tout le monde. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, je suis convaincu de ça. On posera des problèmes à tout le monde. Semaine après semaine, on ne peut pas anticiper dès maintenant ce qui va se passer. On sait que la poule s'est renforcée. Donc comptablement, je n'ai pas d'objectif. Je sais qu'on accrochera le haut du classement et j'en fais confiance pour ça. Mais voilà, je veux qu'elles repoussent leurs propres limites, elles puissent atteindre... le maximum, donc pas de minimum. Je veux pas qu'on se repose sur notre qui on est. On rentrera chaque week-end pour gagner tous les matchs avec la même détermination. Et on va continuer, comme on l'a toujours fait ici, à bâtir progressivement, mais à bâtir sur du solide. Donc on va enchaîner séance après séance, semaine après semaine, pour continuer à bien construire, à bien bâtir. Et puis voilà, après si vraiment il fallait parler au niveau comptable, je pense que il va falloir qu'on devienne intraitable chez nous. Donc sur 11 matchs à domicile, il faut en gagner au moins 8, ouais, au moins 8 ou 9, à plus de 80% facilement. À l'extérieur, on doit aller chercher tous les points sur toute la deuxième partie du tableau, c'est sûr. Et puis on doit être capable de faire 2, 3, 4 coups chez les grosses équipes cette année. Donc 15, 16 victoires, ça serait une bonne continuité, une bonne logique dans l'évolution de l'équipe. J'ai dit, il y a des deux lacs. Et en fait, on s'est dit que du coup, ça 35, devait être... là, dans 2 minutes, t'es revenu. Là. Ou pas. Ouais. S'il est aussi...